Huitième épisode, huitième compositrice. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est l'œuvre que vous avez préférée jusqu'à maintenant ou peut-être le destin qui vous a le plus touché. Si vous hésitez encore, dites-vous que vous pouvez simplement aimer toutes les compositrices et les œuvres que vous découvrez. Elles le méritent et nous avons pris soin de bien les choisir. Et voilà, nous avons à nouveau traversé l'Atlantique pour prendre pied sur la terre argentine. Exactement à Córdoba, une ville du centre nord de ce grand pays. C'est ici en 1934 que naît Alicia Terzian, un nom qui évoque aussi un autre pays et les origines arméniennes de cette compositrice. Également musicologue, pédagogue et chef d'orchestre, Alicia Terzian est une personnalité majeure de la vie culturelle et musicale argentine qui a beaucoup contribué à la diffusion de la musique contemporaine dans son pays et de la musique sud-américaine dans le monde entier. Elle est aussi une spécialiste de la musique médiévale et sacrée arménienne. Alicia Terzian a reçu de nombreux prix et autres distinctions pour ses compositions et ses recherches musicologiques. Elle est par ailleurs une professeure reconnue qui donne des cours de composition et d'histoire de la musique arménienne partout dans le monde. Dans les domaines de la musique de chambre, de la musique symphonique, des pièces solistes avec ou sans orchestre, des pièces pour voix et instruments, pour chœur, ballet, théâtre musical, son catalogue est à ce jour riche de plus de 70 œuvres.